Dans l'épisode d'avant, Lily Rose a ramené un coffre-fort à la maison qu'elle a trouvé avec sa copine, sauf qu'il fallait pas le ramener ici, la police est venue jusque chez nous, et quand on a voulu sortir de la chambre pour s'enfuir, il y avait un mur. Du coup on a décidé de prendre les tunnels secrets de notre maison, sauf que Lily Rose a laissé le coffre-fort dans les tunnels, il faut absolument le récupérer. Ah, je me suis plié en quatre là, j'en ai marre de ces passages secrets. En plus il y a plein de poussière, Lily Rose. Oui. Ah c'est bon, t'es là. Oh non! Quoi? Il est encore là! Oh mais qui? Bah le mur, Lily Rose! Oh mais on peut toujours pas sortir! Et le coffre-fort, il est où d'ailleurs? Lily Rose! Oui! Tu l'as laissé où le coffre-fort? Je sais pas moi! Allez, viens, lève-toi! Mais si, je t'ai demandé de le prendre dans le tunnel! Oh mais je m'en rappelle plus, il y avait trop d'émotions pour moi! Non mais il est où? Mais je sais pas! Je sais même pas où on l'a déposé. Maintenant, à cause de ce coffre-fort, on se retrouve enfermé. Il y a eu la police devant chez nous et on pourra même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, pour tourner dans les tunnels alors! Mais je vais pas retourner dans les tunnels pour trouver un coffre-fort! Bah, t'as vu comment on a eu du mal déjà? On a mis au moins une heure pour aller du grenier jusqu'ici. Bon, au pire, je vais y aller. Ok! Je vais y aller tout seul. Allez. Non, t'inquiète mais pas! Fais attention! Hein. Donne-moi mon téléphone là. Je t'attends ici. Au moins j'aurai de la lumière. Merci. Allez, c'est parti. Ah. Je t'attends. Ouais, bah attends-moi et surtout bouge pas d'ici. Hein. À tout à l'heure. Ah, c'est horrible. C'est trop étroit. Oh, j'espère que Seben va bien. J'espère qu'il est pas resté coincé dans les tuyaux ou dans les tunnels. Ah. Oh, punaise, c'est minuscule ici. J'en ai marre de toujours devoir faire ça, là. Ces conduits, ils sont minuscules. C'est comme des tuyaux, là. Et dire qu'il y a ça dans toute notre maison. Allez. Ah, c'est quoi ça? Des os? Mais c'est trop bizarre. Il y a des gens qui ont dû passer ici il y a déjà des dizaines d'années. Oh, waouh. Esteban, Esteban, viens, ça s'ouvre. Allez, dépêche-toi. On s'en fiche du coffre-fort, là, ça s'ouvre. Allez, dépêche-toi. Oh, waouh. Bon, je vais attendre Esteban, ça va être mieux. Non, en fait, il est trop bien. Tiens, c'est quoi ça? Une serpe. Oh, c'est bon, je l'ai. Le coffre-fort. Oh, Lily Rose, elle l'avait oublié. En plein milieu du tunnel. Oh, c'est cool. Au moins, je vais pouvoir le prendre. Je vais l'enrouler. Voilà, comme ça. Je transporterai plus facilement. Allez, hop. Et je viendrai faire un tour plus souvent ici. Ça tombe, il y a plein d'objets à récupérer. En même temps, personne n'utilise ces tunnels depuis des années et des années. Allez, c'est parti. Lily Rose, je reviens. Ah, c'est bon. Lily Rose, tu peux venir m'aider? Ah, j'ai trouvé le coffre. Il était caché dans un des tunnels. Ah, il y avait des squelettes, il y avait un vieux tableau de pépère là. Ça doit être notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Lily Rose? Eh oh, t'es où? Mais je rêve, elle est partie là ou quoi? Eh oh, Lily Rose, c'est ouvert. C'est une blague ou quoi? Elle a dû partir sans moi. J'avais dit de pas partir quoi qu'il arrive. C'est vraiment injuste. Je vais garder le coffre-fort. Je me suis pas donné autant de mal pour rien. Lily Rose, fallait pas partir comme ça là. Allez Lily Rose, viens m'aider. Ah, je vais poser ce coffre là. Lily Rose, je suis quand même plus important que ce coffre. Ah, mais où est-ce que je suis? Je voulais aller dans le couloir, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça autour de moi? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh bon sang! Lily Rose, t'es là? Oh là 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 là! Alors les amis, je sais pas où j'ai atterri. Visiblement, c'est un parc avec des Gaulois, avec Astérix et Obélix. Je comprends rien comment j'ai pu passer de la chambre de Lily Rose à ici. Et Lily Rose, je la vois pas. Lily Rose! Bon, elle est pas là, j'en ai marre, je comprends rien à ce qui se passe dans notre vie. Bon allez hop, petite pause déjeuner,
Je sais pas où il est Esteban et je sais pas où je suis d'ailleurs. C'est vraiment bizarre. Mais après je me remets à la recherche d'Esteban parce que... Enfin je sais même pas s'il est dans le même endroit que moi. Bon là les amis, je sais pas où on a atterri mais... Je sais pas si Lily Rose elle est au même endroit que moi. J'ai l'impression que dès qu'on a essayé de quitter la pièce, on s'est retrouvé dans un parc d'attractions. C'est trop bizarre, regardez. Là je suis en train de la chercher. J'ai aucune idée de si elle est avec moi ou pas. Mais c'est trop bizarre quoi, on était bloqués dans la chambre. Il y avait ce mur de briques là. Et d'un coup, dès qu'on peut sortir, on atterrit dans un endroit improbable. Regardez, il y a des villes trop bizarres. Comme ça. C'est incroyable, bon. Il y a des décors de fou. Je sais pas ce que je vais faire les amis. En tout cas, je vais fouiller dans tout le parc pour essayer de la trouver. Parce que... Oh, regardez, c'est magnifique, regardez-moi ça. Je suis encore en train de chercher Lily Rose, je l'ai pas trouvée, j'ai cherché dans tout le parc. Du coup, voilà, je me suis fait un petit repas. Bon, il n'y a que des boissons comme repas, mais bon, c'est pas grave, au moins je vais profiter un petit peu. Parce que là, je suis encore perturbé de ce qui s'est passé hier soir et, d'ailleurs de ce qui est en train de se passer. Parce que je sais pas comment je vais rentrer chez moi. On a atterri ici comme ça par hasard. Donc c'est catastrophique quoi. C'est bon, miam. Pour l'instant je fais pas d'attraction, je suis encore en train de chercher Lily Rose. Pas moyen de la trouver, vous voyez il y a des attractions derrière moi et tout ça. Je sais pas, depuis que j'ai atterri ici, je sens qu'elle est là, je sens qu'il nous est arrivé le même truc. Mais je sais pas dire ce qui se passe. Donc j'espère qu'on va se retrouver avant la fin de la journée parce que... Sinon je vais devoir rentrer sans elle et je sais pas ce qu'elle va devenir. Allez c'est parti, on y va, je cherche. A few moments later. Oh mais je sais pas où il est Esteban. Faudrait que je le cherche. Bon je vais essayer d'aller sur le parking. Alors là les amis, je pense que je vais devoir abandonner l'idée de retrouver Lily Rose. Là je vais aller sur le parking, je vais chercher au dernier endroit possible. Parce que là j'ai cherché vraiment toute la journée, je sais pas quand est-ce qu'on est arrivé. Mais ça fait au moins 5 heures que je suis là. Donc j'en ai marre, hein. J'ai vraiment retourné tout le parc, je sais pas où elle est. Je sais même pas vraiment si elle est apparue ici ou si je cherche pour rien. Donc allez c'est parti, on va essayer d'aller sur le parking. Je me suis rendu compte que j'avais mon téléphone dans ma poche, sauf qu'il était bien caché, il n'était pas vraiment dans ma poche comme ça, il était coincé dans la doublure du manteau. Donc d'ailleurs je peux un peu baisser mon masque là, enfin, parce que j'ai dû le porter toute la journée. Et j'ai appelé Peppa Pink pour qu'il vienne jusqu'ici, donc bon on est au parc Astérix hein, maintenant vous le savez, vous l'avez deviné, enfin moi je l'ai deviné au fur et à mesure de la journée du coup. Et ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé de venir, donc à mon avis on va devoir attendre un petit peu et je vais bien fouiller le parking, comme ça je serai sûr que j'ai fouillé vraiment partout et on se retrouve s'il se passe quelque chose ou quand on sera rentré à la maison, en espérant que Lily Rose sera là-bas. Allez c'est parti. Lily Rose, Lily Rose. Oh là là, je la retrouverai pas, elle est pas sur le parking non plus. Lily Rose. Esteban. Oh punaise, t'es là. Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi t'étais dans le parc? Bah oui. Depuis le début de la journée? Ouais. En fait quand t'as quitté la chambre, t'as atterri ici. C'est vrai? Ah oui, bah comment t'as atterri ici? C'était trop bien par contre. Ouais bah je sais pas si c'était trop bien mais moi je t'ai cherché toute la journée là. Ouais moi aussi. Moi j'ai atterri ici là, je suis sortie de ta chambre du mur de briques là. Ouais. Et j'ai atterri dans un buisson trop bizarre. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre Peppa Pink, je l'ai appelé. Ok. J'ai trouvé mon téléphone dans la doublure de mon manteau. On n'a plus qu'à l'attendre, il devrait arriver d'ici une demi-heure. Okay. Allez viens, on va s'asseoir là-bas. Là, les amis, je suis avec Lily Rose, oui. Du coup enfin on s'est retrouvés. Mm. Et je pense que c'est la voiture du Peppa Pink qui vient de se garer. Oui. Regardez-moi ça, la belle voiture du Peppa Pink. Peppa Pink, c'est toi? Peppa Pink, oui. Attends, laisse-moi cette place par contre. Comment ça se fait? Bah, on va te raconter tout ce qui s'est passé là. J'espère, parce que là, c'était une grande évasion de la chambre de Lily Rose. Une histoire de coffre-fort, enfin bref, un truc infernal. On est loin quand même de la maison. On s'est retrouvé super loin et on sait pas comment on est arrivé jusqu'ici. Par casse. Oui, quand même. Bon, tu m'expliqueras tout ça. Je pense que les amis, là, c'est à votre tour de faire un truc. Vous allez cliquer sur notre clip qui apparaît juste là. Vous allez l'écouter une fois, deux fois, plein de fois, autant de fois qu'il vous amuse. Et on se dit à la prochaine. Bah, peut-être pour une prochaine aventure tout aussi folle. Oui. Bye bye. Allez, bye bye les amis.